14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Je me trouve dans le 17e arrondissement à l'angle de la rue des Dardanelles et du boulevard Pershing où vient d'être assassiné monsieur Jean Debreuil, 55 ans, député républicain indépendant de l'Eure. Sur le trottoir en face du 2 de la rue des Dardanelles se trouve toujours le corps de la victime de ce règlement de compte politique sans doute. Bonjour, les affaires criminelles sont parfois des affaires d'État. L'assassinat en plein Paris, le 24 décembre 1976, de Jean Debreuil, ancien ministre du général de Gaulle, ce crime sur fond d'affaires crapuleuses demeure toujours une énigme, l'un des dossiers les plus noirs de la 5e République, un Watergate à la française. Jamais, effectivement, affaire criminelle n'aura été aussi rapidement bouclée, enterrée, puis finalement classée secret défense. On ne pourra prendre connaissance de ces secrets qu'en 2025, année où l'on pourra enfin feuilleter, peut-être, ces pages interdites et compromettantes pour certains. Des informations que personne, même les juges, n'ont jamais pu consulter. Malgré des arrestations et un procès aux assises, la justice n'est pas parvenue à ce jour à réunir les pièces manquantes de ce puzzle criminel. Que cache donc la mort de Jean Debreuil ? Règlement de compte crapuleux ou élimination politique ? Pourquoi cultiver à ce point un tel secret ? Question toujours gênante, même 45 ans après, nous allons les explorer avec notre invité. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Aujourd'hui dans l'heure du crime, l'affaire Debreuil, à Paris, à la veille de la Noël 76, cet ancien secrétaire d'État, parent par alliance du président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, est abattu en pleine rue. Il est 9h22 ce vendredi 24 décembre 1976 quand un homme en manteau gris, cheveux gris et impeccablement coiffé, sort du numéro 2 de la rue des Dardanelles dans le 17e arrondissement de Paris, tout près de la Porte Maillot. L'homme fait quelques pas en direction de sa voiture garée à proximité, une Peugeot 204 de couleur blanche qui porte une cocarde tricolore derrière le pare-brise. Soudain, un individu vêtu de sombre lui barre le chemin et sort un revolver. L'homme se baisse instinctivement pour éviter les tirs. Trois coups de feu retentissent, trois balles de calibre 8 mm. Une a atteint la victime à la poitrine, les deux autres l'ont touchée à la nuque. Une seule, pénétrant par la tempe et traversant le corps jusqu'au diaphragme, a été mortelle. La concierge du numéro 2, Madame Favier, est sortie précipitamment de sa loge, le temps de voir une silhouette s'enfuir rue des Dardanelles et un homme chancelant s'écroulant sur le trottoir. J'ai vu le monsieur tomber. Je me suis précipité, j'ai vu les gens qui s'étaient précipités. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé ? Personne ne m'a répondu. Là-dessus, je suis rentrée chez moi. J'ai dit à mon mari, on vient de tuer quelqu'un. Je l'ai vu mourir. J'ai dit à mon mari, ça y est, il est mort. La victime ne va pas pouvoir prononcer un seul mot. Une hémorragie interne massive l'a instantanément emportée. Une victime qui n'est pas n'importe qui. Il s'agit du prince Jean Debreuil, 55 ans, député de l'Eure depuis une vingtaine d'années, ancien secrétaire d'État des gouvernements Pompidou, éminence grise de la politique française. Il est le cousin d'Anne-Émone Giscard d'Estaing, épouse du président de la République, élu 2 ans auparavant. C'est la première fois depuis 32 ans qu'un homme politique est assassiné en France. Les policiers arrivés sur place songent tout de suite à un règlement de compte. Ils excluent une tentative de vol qui aurait mal tourné. La victime a toujours dans sa poche son portefeuille et une petite somme d'argent liquide. En apparence, rien ne lui a été dérobé. En apparence seulement, il manque à l'appel une serviette de cuir qui ne sera jamais retrouvée. Impossible de savoir si le tueur est reparti avec. Rue des Dardanelles, les rares témoins ont bien entendu des coups de feu, mais ils n'ont pas vu grand-chose. Une habitante du numéro 11 bis a aperçu un homme qui s'enfuyait, mais elle ne peut en donner qu'un très vague signalement. Elle décrit un homme jeune, âgé d'environ d'une vingtaine d'années. 5 heures après l'assassinat, celui-ci est revendiqué par un mystérieux groupuscule d'extrême droite, le club Charles Martel, qui téléphone à l'agence France Presse. Le prince Debreuil a été liquidé en tant que responsable de l'invasion de la France par les hordes nord-africaines. Revendication a priori plausible. Debreuil a été l'un des négociateurs des accords d'Évian qui ont mis fin à la guerre d'Algérie. Il avait été menacé et placé sur la liste noire de l'OAS, opposé à l'indépendance de l'Algérie. Dans la soirée,
Guy Flock, premier juge d'instruction au tribunal de Paris, est chargé du dossier. Il travaille avec la brigade criminelle. Les hypothèses ne manquent pas. Une exécution perpétrée par des anciens de l'OAS, piste qui apparaît toutefois fantaisiste, elle n'est pas privilégiée, pas plus que celle de la vie privée de la victime, marié, père de trois fils. Jean de Breuil menait une vie familiale des plus discrètes dans son appartement de la rue Adolphe Yvon dans le 16e arrondissement de Paris. Reste la possibilité d'un règlement de compte politique. Depuis des années, cet homme était le monsieur bons offices de tous les gouvernements, un négociateur apprécié dans le camp de la droite. Il venait de changer d'étiquette et s'est peut-être attiré des inimitiés. De Breuil était encore un homme d'affaires avisé qui pouvait faciliter la signature de toutes sortes de contrats. Dans les heures qui suivent l'assassinat, les rumeurs vont bon train. La presse évoque déjà la piste financière, celle d'affaires louches. On laisse entendre alors que le député a peut-être été victime de ces liaisons dangereuses. Pour le moment, peu de témoignages. Une vie privée rangée, mais avec cette existence professionnelle pour le moins opaque, l'enquête sur la mort du prince de Breuil s'annonce longue et compliquée. Et contre toute attente, elle va être bouclée en quelques heures, comme si la police savait déjà tout des tueurs. Samedi 25 décembre 76, jour de Noël, le juge Guy Flock ne veut pas perdre une minute pour faire avancer l'affaire de Breuil. Le juge se focalise sur l'ultime rendez-vous de la victime, la veille, dans un appartement du numéro 2 de la rue des Dardanelles. De Breuil avait ici un rendez-vous d'affaires prévu vers 8h30. Les policiers de la CRIM se rendent sur place, ils interpellent l'un des occupants des lieux, Patrick Alné de Ribemont, un financier, son associé Pierre de Varga, qui a participé au rendez-vous du 24 décembre, est lui aussi interpellé. Une perquisition est conduite dans l'appartement, ainsi que dans le bureau de Jean de Breuil à l'Assemblée nationale. Ribemont et Varga sont placés en garde à vue. Il est établi que ces deux hommes étaient en affaire avec Jean de Breuil pour l'acquisition d'un restaurant, la rôtisserie de la reine Pédoc, dans le 8e arrondissement. De Breuil avait consenti un prêt de 4 millions de francs. Il devait toucher au final une confortable commission, mais en cas de décès, il était prévu que ses actions reviennent aux deux hommes. Un vrai contrat pousse au crime, remarque un policier. Ribemont et Varga auraient-ils fait tuer leurs créanciers pour récupérer la mise? Pour le moment, ils sont relâchés. Lundi 27 décembre au soir, 6 personnes sont simultanément interpellées devant l'auberge Henri IV à Marly-le-Roi dans les Yvelines, ainsi que dans un bar du 14e arrondissement de Paris. Parmi elles figure un policier, Guy Simonet, inspecteur principal au commissariat de la Défense. Son nom est apparu dans les documents saisis lors des perquisitions. Il connaît bien les financiers Varga et Ribemont. Que vient faire ce policier dans le décor? Simonet est un flic bien noté, mais il a mauvaise réputation. On le soupçonne d'avoir participé à un hold-up des années auparavant, d'avoir voulu tuer sa maîtresse et trempé dans de petits trafics. Deux pistolets et un revolver sont retrouvés chez lui. Guy Simonet se met à table. Il a organisé l'assassinat du député à la demande, affirme-t-il, des deux commanditaires, Pierre de Varga et Patrick Alné de Ribemont. Ces derniers, à nouveau interpellés, s'insurgent contre ces accusations. Ils nient. Mercredi 29 décembre, alors que le juge Flock vérifie toujours les déclarations des uns et des autres, se joue dans son dos un coup de théâtre. Le ministre de l'Intérieur en personne, Jean Poniatowski, tient une conférence de presse surprise pour dire que l'enquête est bouclée. Flanqué du directeur de la police judiciaire, Jean Ducré, et du chef de la brigade criminelle, Pierre Ottavioli, le ministre décrit un coup de filet complet. Selon lui, 11 personnes ont été interpellées, 6 sont directement impliquées dans la mort du député. Sont désignés l'affairiste Pierre de Varga, 56 ans, né en Hongrie, apatride, pas moins de 7 pseudonymes, condamné à plusieurs reprises pour escroquerie, chèques falsifiés, abus de confiance, banqueroute, fraude fiscale, etc., etc. Cité aussi le financier Patrick Alné de Ribemont, le policier Guy Simonet et même le tireur, un certain Gérard Fraîche, 31 ans, dit petit Gérard, proxénète, voleur sans envergure, récemment sorti de prison. Il a avoué avoir tué De Breuil qu'il ne connaissait pas pour 50 000 francs.
Il indique où il a jeté l'arme, le calibre 38 spécial de marque REC, est retrouvé dans un égout près de l'église de la Trinité, 9e arrondissement. Le mobile du crime est purement financier, selon le ministre. Il s'agissait pour cette bande d'éliminer le député pour récupérer son argent et ses actions dans l'achat du restaurant La Reine Pédoc. Un mobile cousu de fil blanc. 5 jours ont suffi à boucler cette incroyable enquête. Les assassins présumés de Jean de Breuil sont sous les verrous. Une affaire immobilière de trop et de douteuses fréquentations ont causé la perte de l'ancien secrétaire d'État. La politique n'a rien à voir dans tout ça, tout au moins officiellement. Il n'aura fallu qu'une poignée de jours pour que le juge d'instruction Guy Flock se retrouve avec un dossier clé en main remis par le ministère de l'Intérieur. Trop beau pour être vrai. Le juge poursuit son enquête. Il établit que De Breuil avait un contrat sur sa tête depuis des mois. 2 projets avaient été mis sur pied. Le premier, au printemps, n'aurait pas abouti selon un témoignage, celui d'un petit malfrat, un certain Simon Kolkovitz. Il aurait refusé d'exécuter la personnalité. Le deuxième projet aurait été lancé à l'automne et aboutit à la Noël. Mais le juge tique. Pourquoi les commanditaires ont-ils pris le risque de faire tuer De Breuil sous leur fenêtre? Question identique posée par la fille de Pierre de Varga, Pascal. Si mon père avait été l'instigateur de tout ça, croyez-vous qu'il aurait fait tuer Monsieur De Breuil devant notre porte? Parmi d'autres interrogations, pourquoi un carnet d'adresses saisi chez De Varga par un policier a brûlé, par mégarde, dans une photocopieuse? Pourquoi un cambriolage au château des De Breuil juste après le meurtre n'a-t-il pas été éclairci? Pourquoi la concierge de la rue des Dardanelles affirme-t-elle avoir vu des policiers en civil dans les secondes suivant l'assassinat? Presque 4 ans après le meurtre, 2 avril 80, le Canard enchaîné lâche une bombe. L'hebdomadaire publie 2 rapports confidentiels qui indiquent que la police était au courant des menaces contre De Breuil. Rapport rédigé par l'inspecteur Michel Roux, 3 mois jour pour jour avant le drame. L'une de ces notes confidentielles remises au grand patron de la PJ parisienne précise « À la suite d'une indélicatesse commise par l'homme politique, De Breuil donc, ce dernier devrait être abattu par des hommes de main dans les jours prochains. » On ne peut pas être plus clair. La mort de De Breuil était écrite. À l'appui de ces informations, des filatures et des écoutes téléphoniques menées par la 10e brigade territoriale, les renseignements généraux et la brigade anti-gang. Problème, Jean De Breuil n'a jamais été alerté de ces menaces, encore moins protégé. Des documents jamais transmis à la justice. Plusieurs policiers sont entendus. Ils démentent avoir été informés d'un projet criminel. Michel Poniatowski, ex-ministre de l'Intérieur, refuse lui de répondre au juge. Au sommet de l'État, on certifie que la hiérarchie policière ignorait tout de ces rapports. Le 25 avril 1980, un supplément d'information est tout de même demandé. Des policiers seront-ils jugés, oui ou non, avec les suspects de la première heure? Le mercredi 4 novembre 1981, 4 hommes font leur entrée dans la salle de la cour d'assises de Paris. Il y a là le financier Pierre de Varga, présenté comme le seul instigateur du meurtre de Jean de Breuil, le policier Ripoux, Guy Simonet, le proxénète tueur, Gérard Fraîche, et un complice de bas étage, le dénommé Serge Tessèdre. Après 5 ans d'investigation, seuls les suspects de la première heure se retrouvent donc sur le banc des accusés. Aucune poursuite engagée au sein de la hiérarchie policière qui avait pourtant été prévenu, noir sur blanc, du meurtre imminent du député. Dossier clos au mois de juin 1981. Circulé, il n'y a rien à voir. On revient ainsi au mobile officiel. Un crime autour de l'achat du restaurant de la Reine Pédoc, le peu fréquentable de Varga, aurait éliminé De Breuil pour se retrouver seul propriétaire d'un restaurant de luxe. Les audiences tournent en rond et les explications restent filandreuses. Le policier Guy Simonet continue à désigner De Varga comme le commanditaire. Il a marché dans la combine car, dit-il, il était coincé. Fraîche confirme avoir tué pour 50 000 francs dépensés en 2 jours. Le soir du crime, il est allé au cinéma avec sa fiancée pour voir un film avec Peter Sellers intitulé « Un cadavre au dessert ». Le 23 décembre 1981, les jurés condamnent Pierre de Varga pour complicité d'assassinat à 10 ans de prison. Peine identique pour Guy Simonet et Gérard Fraîche. Le complice Serge Tessèdre écope de 5 ans. La vérité n'a pas jailli au fil des
audiences, on ne sait pas vraiment pourquoi est mort le prince de Breuil. Le président de la cour d'assises, André Girès, écrira que dans cette histoire, la justice a été tenue pour quantité négligeable. Le magistrat évoquera un Watergate français. Un verdict en demi-teinte, c'est le moins qu'on puisse dire, et un procès qui laisse un goût amer. Des condamnations ont été prononcées, mais malgré ces peines, l'affaire reste dans la pénombre. S'il s'agit d'un crime ordinaire, alors pourquoi autant de secrets, de silence et de cachotterie ? Le spectre d'une affaire d'État ne va jamais se dissiper autour du dossier de Breuil. Le juge d'instruction Guy Flocq a toujours pensé que ce crime avait des dimensions bien plus importantes que celles d'un embrouillamini crapuleux. Le magistrat ne reconnaissait pas en Pierre de Varga l'instigateur de cet assassinat, un homme que les policiers désignaient pourtant comme un Machiavel du crime. Impossible pour le juge, tout comme pour sa collègue qui lui succédera, Martine Anzani, de déterminer le vrai mobile du meurtre. Le député de l'heure serait-il devenu gênant sur le terrain politique ? Était-il le détenteur de secrets sensibles et inavouables, notamment ceux des financements de campagne ? Le policier condamné Guy Simonet parlera d'une opération de basse politique. Il évoquera encore une possible implication du prince de Breuil dans un trafic d'armes. 45 ans après la mort de Jean de Breuil, la dernière page du dossier de Breuil n'a toujours pas été tournée. Impossible de savoir à ce jour qui a demandé l'exécution du député et si les autorités françaises avaient été informées de ce projet criminel. En dépit de demandes répétées, émanant notamment du policier Guy Simonet, la procédure est restée classée secret défense. Elle ne pourra être ouverte qu'en 2025. Découvrira-t-on alors dans ces cartons d'archives la clé de la mort du prince de Breuil ? L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL. Sur RTL, c'est déjà Noël. Retrouvez les plus belles chansons de Noël sur la web radio de Noël de RTL. La web radio de Noël de RTL est disponible sur l'appli RTL et RTL.fr.